Non, je vais pas avoir le temps de la jouer. Fuck my life. Moi je pense que c'est plutôt Astral là. En vrai ce spot. Avec Item Nidalee. On peut jouer une Nidalee avec Combat Training et aller chercher un Runan. Ça me parle de ouf hein. Je vais juste vendre un Sylas. Désolé, je branchais ma clé USB, les gars. Dude, this game. I mean, dude, this game, super. Renan, tu vas chercher un GS? Ouais, je sais pas. Je sais pas, mec. Peut-être, peut-être pas. Me casse les côtes. Quoi? Hello. Hello, dude. Hello, Grim. Lux? Du cul. Mage. Quoi, mage? Je déteste ce genre de message. Ça, là. Ça, là. Je déteste ça. Genre, quand je lis ça, je te jure... J'en lis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Au bout du 20ème, je n'en puis plus. J'ai envie de tout casser quand je lis ces messages-là. J'ai envie de... Il me faut un anti-stress. Il voulait peut-être dire Sylas Vernida pour Mage Bruiser, oui. Et moi, j'ai peut-être envie de dire Ratio. Si tu veux poser une question, pose une question. Suggère verbe COD, point d'interrogation. Je répondrai à ta question. Mage, point d'interrogation, ne constitue pas une question. N'est pas très complète. Tu ne fais aucun effort. Pourquoi est-ce que moi, je devrais en faire? Tu vois ce que je veux dire? Mais t'y penses pas, mais c'est relou, tu vois. Je me mange ça toute la journée, je stream 8 heures par jour. Ça suffit, ces messages. J'écrivais avec une main. Ben moi, je te réponds avec une main aussi. En vrai, on aurait pu jouer Rengar avec Combat Training. Ah ouais? C'est en Australie. Washones va aller en Australie. C'est confirmé ça? Hein?
Ah ouais mec, t'es sûr de ça? Attends, ça va vite cette game astrale là. Je pense que tu t'es fait prank mec. Se déplacer jusqu'en Australie pour un tournoi amical. Je sais pas, j'y crois pas trop quoi. Il est rémunéré. Oh mais pour un tournoi amical. Je sais pas, j'ai du mal à y croire en fait. Il payait le SMIC. T'es un fou furieux toi, le SMIC. Vous êtes des kilomètres de la réalité. Bon, le Vlad, il viendra tout seul, je pense. Pour 10 000 euros, tu le fais? Pour 10 000 euros, je le fais. Karim, 30 ans, fait des proutes avec sa bouche. Un clip du pain? j'ai la ref. Something inside you. Frère, 15 heures de vol. Flemme quoi. Il vient pas pour cast. Bah un jour ou deux t'as pas le temps de profiter, pour moi c'est pas worse. J'ai envie de faire Zeke TG mais... Après peut-être que du coup il en profite pour prendre des vacances dans le coin, j'en sais rien mais... Juste que en ce qui me concerne moi, si tu veux me faire venir en Nouvelle-Calédonie juste pour 2 jours, le chèque doit être très très gros. Très 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 gros. En vrai de vrai, je pense que Protector of the Cosmos c'est pas dégueu. Shell c'est pas mal aussi hein. Sachant que j'ai un TG, un ZK et une Stone Plate. Beaucoup 25 armor. Bah c'est 30. Sur un seul perso, je pense que c'est pas fou, mais sur toute l'équipe, je pense que c'est big. Hein. Oh, le board feed, sa mère! Ah, après, il a press the attack avec beaucoup de swift shots, c'est peut-être ça. Ça va peut-être faire la diff pour lui. Mais je ne crois pas. Hein. Ah ouais, putain, c'est fort de ouf! Putain, mais press the attack, vous avez les dégâts qui sortent? Il avait rien sur son board. Belt, baguette, peut-être faire des items luxe. Il faut des items dans les récompenses là, sinon je vais avoir des gros problèmes.
Hop là, 0 gold. Et là, on perd le round. On bat les couilles de perdre le round. En vrai, bah, je regrette un peu d'avoir mis la baguette, mais... Mais je pense que c'est fine, parce que comme ça, on peut faire genre GS, spell crit, trucs comme ça. On se débrouille bien, non? Vous pensez pas? Moi, je trouve qu'on se débrouille bien dans cette game. Le Vlad, il fait des siennes, ouais. Calice, Oj, Remover. Oh! Archange, Cal... Ouais, j'aime bien. Et on remove la Ginzu plus tard, on la met sur Varus ou un truc comme ça. On verra. Ta comp est capée. Pas encore. En fait, on va farmer des items avec Astral. Et on peut encore aller 9. Et on peut mettre un 5 mages avec Zoé. Oh, le Scarner double statique, il me vend tellement du rêve. Ratio! Proc cybernétique. Une Nida bien mafia, bien tiep. Vlad! Oh, le Vladimir! Oh oui, oui, monsieur! Oui, je dis oui! Il met les points sur les i, si je puis me permettre. Oh là là, le... Oh, la compo... Par contre, ça, j'aime pas du tout. Hein. Le GS d'assassin, là. Allez, ascension maintenant, allez. Au cas où. Casse les couilles, putain. Je pense TG... TG Vlad. Hein. Ah, ça peut tenir en vrai. On peut tenir un tour. Bon, j'ai très peur, mais... Vladou! Fuck. Ah, ours. 12 HP, en vrai ça tient. Oh no, dude. Bon, Panthéon 2, c'est honnête, hein. Et tant pis pour la Ginzo. On va mettre le TG sur Panthéon. Avoir plus de chances de gagner le round. Oh, le mannequin backline. Ça, c'était pour moi. Hein. C'est une fin de rush, les amis. Est-ce que c'est moins 12? Non, c'est pas moins 12. C'est moins 11. 1 HP. Et là, on tient. Boum. Il a chier. Mais on peut faire Ionic. Et on a une Sunfire. So 8 Astral. En fait, ça pue du cul, mais c'est rigolo. Hein. Donc je vais le faire.
Mais ça pue du cul, faut le savoir. Oh. C'est un FF ça, mais bon, on s'est bien amusé, c'est le principal. Et on a fait top 4. J'aurais dû prendre Protector of the Top 8. Wait what? On a gagné le round? Dans quel monde? Non, faut pas déconner quand même. Zoé, c'est plus fort. Je veux bien, ça donne 45 d'AP, mais... Le 5 mage représente plus d'AP, je pense. Et Zoé, c'est une unité de zinzin. Allez, Zoé! Et là, en tant que bon petit viewer... Aurélien Soldif. Oui, Aurélien Soldif.